La pénurie d'eau touche de nombreuses parties de la Terre. Les villes du Cap, Sydney et Las Vegas sont très bien connues pour leur stratégie d'économie d'eau et en font la une fréquemment. Malheureusement, beaucoup plus de villes sont confrontées au même problème, avec moins de moyens pour y remédier. Selon les experts, la situation s'aggrave également en Allemagne, à Darmstadt. Les équipes de recherche de fuites sont déterminées à localiser les fuites d'eau. Chaque goutte compte. En utilisant le localisateur de fuite HL7000 de Sebac AMT, M. Vogler et M. Baker sont capables de localiser facilement les fuites sur le réseau public de distribution d'eau. Avec l'enregistrement de la position GPS, l'appareil est rangé dans une mallette de transport incluant une prise de recharge externe pour être prêt pour la prochaine intervention. Un microphone cloche anti-vent pour surface uniforme, un capteur tige pour surface inégale, un capteur de gaz traceur utilisé pour détecter les petites fuites ou dans des conditions particulièrement difficiles, ainsi qu'un microphone piézoélectrique aimanté pour enregistrer les bruits sur conduite et vanne. La fonctionnalité Plug and Play permet au HL7000 de reconnaître automatiquement le capteur et affiche l'icône correspondante. En utilisant le microphone piézoélectrique magnétique sur le carré de vanne, M. Baker peut rapidement déterminer s'il intervient bien sur la bonne conduite du réseau. C'est simple, il suffit de se connecter, configurer et mesurer. Les informations telles que le niveau sonore et la fréquence sont clairement affichées sur l'écran de l'appareil. Afin de mieux isoler le bruit de fuite, le HL7000 définit automatiquement une plage de filtre appropriée qui peut être ajustée manuellement si nécessaire. Une fois la localisation de fuite confirmée, les techniciens peuvent utiliser un autre type de capteur. L'unité principale établit automatiquement une connexion Bluetooth. Ainsi, l'exploitant peut poursuivre la localisation précise à l'aide du microphone de sol anti-vent. Monsieur Baker peut garder les mains libres en travaillant, lui permettant ainsi de mieux se concentrer sur l'écoute du bruit de fuite. La technologie sans fil bloque les interférences sonores causées par le vent ou les mauvais raccordements de fil. En mode histogramme, les données sonores et GPS de position peuvent être enregistrés d'une simple pression sur un bouton. À chaque point d'écoute, vous obtenez un historigramme plus clair de l'emplacement de la fuite. Le micro de contact robuste peut être utilisé sur surface inégale. Le HL7000 reconnaît automatiquement le capteur et définit la préamplification et la bande filtrée en conséquence. La tige de pied facilite l'établissement d'une connexion acoustique solide dans le sol. Dans d'autres situations plus difficiles, ces méthodes pourraient ne pas être suffisantes. C'est pourquoi le HL7000 est équipé d'un capteur de gaz traceur. La conduite d'eau est remplie d'un mélange hydrogène-azote. Le gaz s'échappe par la fuite et est mesuré par le capteur de gaz. Sur l'écran, M. Vogler peut voir le niveau de concentration et la valeur de crête du gaz traceur, semblable à la mesure de l'histogramme. Vous avez trouvé la fuite. Il ne reste plus qu'à la marquer. Désormais, il faut remettre un rapport des investigations réalisées sur site. On doit sélectionner et archiver les données de mesure. Monsieur Baker relie le périphérique au port USB du PC pour télécharger toutes les données à partir de l'appareil. Les données contiennent les coordonnées GPS, ainsi qu'un échantillon sonore des fuites de 15 secondes. Une fois le rapport créé, il peut alors être archivé ou envoyé au client. Sebac AMT ouvre la voie à la cartographie sonore des fuites et à son intégration dans le SIG.